Pierre-Olivier et moi, nous sommes tous les deux des ingénieurs en packaging et nous avons créé Clean Bottle en ayant conscience du poids que pèse la bouteille en verre dans le bilan environnemental d'une bouteille de vin ou spiritueux. Et donc Clean Bottle est une solution innovante permettant la réutilisation des bouteilles en verre, quelle que soit leur forme, dans une démarche d'économie circulaire. Une étude de l'ADEME d'octobre 2018 a permis de montrer que le réemploi des bouteilles en verre permettait d'économiser 75% d'énergie d'un côté, de réduire de 78% les émissions de gaz à effet de serre et enfin de préserver les ressources en eau puisque c'est 33% moins consommateur d'eau de réemployer des bouteilles. Globalement, et donc il faut savoir qu'en France, on consomme plus de 4,5 milliards de bouteilles de vin et spiritueux chaque année. Et si on rajoute les bières, les jus de fruits, etc., les contenants en verre, c'est estimé à environ plus de 30 milliards de contenants en verre chaque année. Quand on sait que chaque contenant pèse en moyenne entre 450 et 500 grammes de verre, on voit qu'il y a un potentiel de réduction de déchets qui est très impressionnant. Et c'est pour ça du coup qu'on a proposé cette solution également. Le projet Clean Bottle répond à une demande très forte des marques puisque cela permet de à la fois réduire ses impacts environnementaux, également de sécuriser ses approvisionnements qui sont compliqués en ce moment, notamment sur le verre, et par ailleurs d'anticiper les évolutions réglementaires qui impliquent de réutiliser de plus en plus les contenants dans une logique d'économie circulaire. Donc notre projet avec Pierre-Olivier, c'est d'aller vers une massification de la collecte et du réemploi des bouteilles en verre. Donc nous allons collecter d'une part chez les professionnels, donc les cafés, hôtels, restaurants. Donc nous allons travailler avec les acteurs de la distribution de ces secteurs-là pour collecter les bouteilles, mais également auprès des particuliers. Donc nous allons essayer de travailler avec les collectivités pour mettre en place des points de collecte auprès des consommateurs, mais sans casser les bouteilles, de pouvoir les récupérer. On travaille aussi avec les acteurs de la distribution et différents partenaires qui seraient intéressés pour collecter les bouteilles. Donc avec notre solution, nous avons ouvert un premier atelier qu'on appelle un atelier pilote ici à l'Arche à Cognac qui permet de laver 500 000 bouteilles par an. Cet atelier nous permet de faire des essais, de démontrer notre modèle. Nous voulons ensuite ouvrir un site en 2024 ici à Cognac également qui permettra de laver 7 millions de bouteilles par an. Et notre ambition est de dupliquer ce modèle-là partout où il y a de la consommation et du besoin en bouteilles de verre pour pouvoir apporter une réponse qui agisse à la hauteur des enjeux environnementaux et énergétiques. Par rapport aux défis climatiques face auxquels nous allons devoir agir tous, des solutions simples existent telles que le réemploi des bouteilles en verre et c'est ce que nous voulons démontrer par ce projet-là.